Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes en direct de Radio Vatican, Vatican News, pour continuer à suivre ensemble la 35e visite apostolique du pape François à Chypre et en Grèce. C'est Marie-Josée Moindo-Boisboile qui vous accompagne cette fois. Bienvenue également à ceux et celles qui nous suivent sur nos différentes plateformes ainsi que sur les médias partenaires, notamment sur IWTN TV, C'est les Lumières TV ainsi que sur Radio Espérance. Après avoir passé deux jours à Chypre, le pape François a quitté l'île ce samedi 4 décembre à 8h36, heure de Rome, depuis l'aéroport de Larnaca pour se rendre à Athènes, capitale de la Grèce, et commencer ainsi la deuxième et dernière partie de ce voyage. Après avoir rencontré dans la matinée à son arrivée en Grèce les autorités politiques du pays au palais présidentiel, le pape a ensuite été reçu cet après-midi par l'archevêque orthodoxe grec Hieronymus. Nous allons à présent entamer la rencontre du Saint-Père avec la communauté catholique, les évêques, prêtres, religieux, religieuses et séminaristes en la cathédrale Saint-Denis, l'Aréopagiste d'Athènes. Le pape a été accueilli à l'entrée principale de la cathédrale par l'archevêque d'Athènes et le curé qui lui ont remis la croix et l'eau bénite. Ensemble, ils sont entrés à l'intérieur de la cathédrale pour commencer cette rencontre. À présent, Monseigneur Sébastianos Sorolatos, archevêque émérite d'Athènes et président de la Conférence épiscopale de Grèce, adresse les salutations de la communauté au Saint-Père. Saint-Père, l'accueil positif de notre invitation à venir parmi nous nous a remplis de joie et de satisfaction. En tant que catholiques, nous accordons beaucoup de crédit et soutenons la mission que Jésus-Christ vous a confiée lorsqu'il a dit à l'apôtre Pierre « Et vous, donnez de la force à vos frères ». Nous voulons donc vous confier nos joies et nos angoisses à l'écoute de votre parole d'encouragement. L'Église catholique en Grèce est composée de communautés de trois traditions liturgiques, latine, byzantine et arménienne. Nous avons aussi expérimenté en Grèce l'influence bienfaisante de l'esprit du Concile Vatican II qui a renouvelé la liturgie et notre vie d'Église. Dans la même période autour du Concile, nous avons également assisté à une floraison de vocation sacerdotale et vie consacrée qui ont nourri tous les diocèses de Grèce de prêtres religieux et religieuses. Dans le même temps, cependant, la mondialisation a commencé à émerger et à influencer la sécularisation, ce qui a affaibli le soutien social de la foi traditionnelle et exposé les failles encore présentes dans notre manière de cultiver la voie. Le résultat est qu'aujourd'hui, beaucoup de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié avec Jésus-Christ, sans communauté de foi pour les accueillir, sans horizon de sens et de vie. Loin de la parole de Dieu et la vie liturgique de l'Église, pour cette raison, la vigueur des vocations s'est également estompée, de sorte qu'aujourd'hui, la plupart des prêtres et des religieux viennent d'autres pays. En plus de cela, au cours des 30 dernières années, notre Église en Grèce a changé de visage. Nos frères immigrés qui vivent ici sont numériquement plus que nous.
Les fidèles immigrés catholiques se retrouvent dispersés dans une large diaspora à travers le pays, ce qui crée de nombreux problèmes pastoraux. Pendant ce temps, avec les immigrés et leurs enfants, nous essayons de former l'Église catholique d'aujourd'hui, une Église qui vit et témoigne de la foi dans un monde en constante évolution. Au milieu de ce scénario, il nous est difficile d'imaginer et de nous ouvrir à un ministère missionnaire de donner vie à une Église capable de témoigner de la puissance rédemptrice de l'Évangile et d'attirer au Christ nos frères égarés. Avec l'Église orthodoxe, notre sœur, il reste la difficulté de promouvoir des relations de connaissances mutuelles et de collaboration sur le plan institutionnel. Malgré cela, là où catholiques et orthodoxes vivent ensemble, il y a et sont promus des relations, un respect et un amour chrétien tangible. Les relations de notre Église avec l'État grec sont grandement facilitées par la loi de 2014 qui établit la personnalité juridique de l'Église catholique en Grèce. Saint-Père, c'est l'Église que vous visitez aujourd'hui. Nous croyons que sa parole nous aidera à écouter ce que l'Esprit dit aux Églises et aura la force de nous encourager à trouver la foi et un moyen de jeter les filets pour mer, selon l'encouragement de notre Seigneur. Saint-Père, nous vous accueillons avec gratitude. À présent, le premier témoignage dans la cathédrale Saint-Denis à Propagiste lors de la rencontre du pape avec les évêques, prêtres religieux et religieuses et catéchistes de Grèce. Témoignage d'une religieuse. Je suis immensément reconnaissante à Dieu pour cette occasion bénie de pouvoir être devant vous, de vous parler de mon témoignage en présence d'un si grand nombre de prêtres religieux et catéchistes. Mon nom religieux est Maria Virgen del Prado Bravo. Je suis née en Argentine, dans la province de Santiago del Estero, d'une famille catholique, l'aînée de 8 frères et sœurs. J'appartiens à la branche féminine de la famille religieuse du Verbe incarné de l'Institut Serviteur du Seigneur et de la Vierge de Matara, fondée en Argentine. À 14 ans, j'ai reçu l'appel de Dieu à être religieux avec une pensée si forte que je ne doutais pas qu'elle vienne de Dieu. C'est tout de suite après avoir entendu le témoignage d'un religieux et c'est là que j'ai pensé que je pourrais aussi faire de même pour tout quitter et me consacrer à Dieu pour sauver les âmes. J'étais sûre que cela ne m'était pas venu à l'esprit, mais que cela venait de Dieu. Et je ne peux pas dire non à Dieu, alors cela m'a donné la paix. Enfin, après quelques temps, en 2008, à l'âge de 18 ans, je suis entrée au noviciat chez les sœurs servantes. Ce furent les années les plus heureuses de ma vie. J'étais heureuse de pouvoir faire la volonté de Dieu. En 2017, j'ai été affectée en Italie pour poursuivre mes études de formation et c'est là que j'ai reçu le destin de fonder une communauté sur l'île de Tinos Grecia. Ce n'était pas une surprise pour moi car je m'étais offert intérieurement à Dieu pour venir à mission. Quelque chose m'a dit que c'était cet endroit, bien que je ne connaisse pas grand-chose, ni la langue, la culture, les gens.
Trois sœurs sont venues sur l'île de Tinos pour la fondation, deux d'Argentine et une d'Albanie, pour assister le sanctuaire de la Vierge de Vrizi, également pour aider dans les apostolats du diocèse. Nous ne connaissons pas la langue, nous ne parlions rien, mais les gens et nous étions si heureux qu'il semblait que nous nous connaissions depuis toute une vie. La première impression que j'ai eue a été l'hospitalité des gens et le désir de Dieu. Je me souviens des premières questions qu'on se pose encore. Pourquoi la Grèce? Vous l'aimez? Et votre réponse toujours avec le sourire était « Oui, car c'est la volonté de Dieu ». Pour nous, en tant que famille religieuse du Verbe incarné, c'est une grâce énorme dont nous serons toujours reconnaissants à Dieu de pouvoir continuer à témoigner de la vie consacrée sur l'île de Tinos, comme l'ont fait les jésuites et les ursulines pour de nombreuses années qui ont su donner la vie pour Dieu et pour l'Évangile. Pour conclure, je veux que vous sachiez que nous sommes prêts à donner notre vie pour la Grèce et à travailler pour les âmes à la gloire de Dieu en témoignant du Verbe incarné, en l'incarnant en toute chose humaine, but spécifique de notre institut, dans les œuvres de miséricorde, chez les enfants, les jeunes et les adultes, semant en eux les désirs de sainteté. Και για τις ψυχές προς δόξα του Θεού, μαρτυρώντας για τον ενσαρκωμένο λόγο σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως είναι ο ειδικός σκοπός του τάγματός μας, σε έργα ελέους, αλλά και κατήχησης των παιδιών, των νέων και ενηλίκων, σπέρνοντας μέσα τους την επιθυμία για αγιότητα. Υπόσχομαι να προσθέσω Εύχομαι για εσάς, Άγιε Πατέρα, και ζητώ ταπεινά την ευλογία σας. Je promets de prier pour vous, Saint-Père, et je vous demande humblement votre bénédiction. Αγαπητέ Άγιε Πατέρα, θα σας διηγηθώ την εμπειρία από μια ζωή μια θρησκευτικά. Témoignage d'un laïc de la communauté catholique de Grèce. Je suis originaire de Tinos, l'île de Cyclades, connue pour sa dévotion à la Vierge Marie. J'ai grandi dans un petit village catholique de cette île, dans une famille où la pratique chrétienne faisait partie de notre quotidien. Et quand nous sommes arrivés à Athènes, la coexistence et la coopération avec nos frères orthodoxes n'ont pas affecté ma foi. J'ai toujours été proche de l'Église, offrant ce que je pouvais. La parole évangélique de Jean, afin qu'ils soient tous un, définissait notre vie de famille. Avec mon épouse Nitsa, de confession orthodoxe, dévouée à la voie grecque, nous avons élevé nos enfants qui ont fréquenté les écoles catholiques, m'ont suivi à la liturgie dominicale et ont également reçu les sacrements. Cependant, à l'âge de 17 ans, un renversement s'est produit et ils se sont éloignés de la pratique religieuse. Chaque fois que je posais la question, j'étais traité avec indifférence et ironie, ce qui me gênait parfois. Qu'y a-t-il de mal à élever nos enfants? Qu'est-ce que je ne leur avais pas donné? Je me suis blâmé. Mais j'ai continué à être proche de l'Église avec la même foi et à prier. Les conflits ne résoudront pas le problème. Parlez à vos enfants. Demandez-leur pourquoi, m'a conseillé mon confesseur. Et la réponse que j'ai reçue de mes garçons était « Nous croyons, Père, mais les temps ont changé, nous demandons autre chose à l'Église. Ne vous inquiétez pas, nous sommes avec vous, nous sommes un comme vous nous l'avez appris. »
La réponse de nos enfants m'a aidé à voir de leurs propres yeux leur quotidien dans une famille mixte, dans un milieu de travail et social dans lequel ils sont minoritaires, mais le fait qu'ils aient fait l'expérience de l'unité avec les autres, comme ils l'avaient entendu chez nous et à l'école, a finalement été le point positif de la conversation que nous avons eue. À présent, la parole de Sa Sainteté le Pape François à la rencontre avec les évêques, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et catéchistes en la cathédrale de Saint-Denis à Athènes. Chers frères et sœurs, chers frères évêques, chers prêtres, religieuses et religieux séminaristes, chers frères et sœurs, Kalispera Sas, bonsoir. Je vous remercie très sincèrement pour votre accueil et pour les paroles de salutation que Monseigneur Solatos m'a adressées. Et merci, ma sœur, pour votre témoignage. Il est important que les religieux et les religieuses vivent leur service dans cet esprit avec un amour passionné qui se fait don pour la communauté à laquelle ils sont envoyés. Merci. Merci également à Rokos pour son beau témoignage de foi vécu en famille, dans la vie quotidienne, avec ses enfants qui, comme beaucoup de jeunes, à un moment donné se posent des questions, s'interrogent, deviennent un peu critiques. Mais c'est aussi une bonne chose, car cela nous aide, en tant qu'Église, à réfléchir et à évoluer. Je suis heureux de vous rencontrer sur cette terre qui est un don, un patrimoine de l'humanité sur lequel reposent les fondations de l'Occident. Nous sommes tous un peu fils et débiteurs de votre pays. Sans la poésie, la littérature, la philosophie et l'art qui se sont développés ici, nous n'aurions pas pu connaître tant de facettes de l'existence humaine, ni répondre à de nombreuses questions intérieures sur la vie, l'amour, la douleur et la mort. Au cœur de ce riche patrimoine, ici au début du christianisme, un laboratoire de l'inculturation de la foi a été inauguré, dirigé par la sagesse de nombreux pères de l'Église, dont la sainteté de vie et les écrits restent un phare lumineux pour les croyants de tous les temps. Mais si nous nous interrogeons sur celui qui a inauguré la rencontre entre le christianisme des origines et la culture grecque, notre pensée ne peut qu'aller vers l'apôtre Paul. C'est lui qui a ouvert ce laboratoire de la foi, qui a fait la synthèse de ces deux mondes, et il l'a fait ici même, comme le racontent les Actes des apôtres. Il arrive à Athènes, il commence à prêcher sur les places, et les savants de l'époque le conduisent à l'aréopage. Le conseil des anciens, les sages qui jugent les affaires d'intérêt public. Arrêtons-nous sur cet épisode et laissons-nous guider sur notre chemin d'Église par deux attitudes de l'apôtre utiles à notre actuelle élaboration de la foi. La première attitude est la confiance. Pendant que Paul prêchait, certains philosophes commencent à se demander ce que ce charlatan veut enseigner.
C'est ainsi qu'il l'appelle, un charlatan, quelqu'un qui invente des choses en profitant de la bonne foi de ses auditeurs. C'est la raison pour laquelle il l'amène à l'aéropage. Il ne faut donc pas s'imaginer qu'il lui donne une tribune officielle. Au contraire, il l'amène là pour l'interroger. Pouvons-nous savoir quel est cet enseignement nouveau que tu proposes? Tu nous rebats les oreilles des choses étranges. Nous voulons donc savoir ce que cela signifie. Bref, Paul est sur la corde raide. Ces circonstances de sa mission en Grèce sont importantes également pour nous aujourd'hui. L'apôtre se retrouve dans une impasse. Peu de temps auparavant, à Thessalonique, il avait déjà été empêché dans sa prédication et il avait dû fuir de nuit à cause des émeutes provoquées dans la population pour l'accuser de semer le désordre. Une fois arrivé à Athènes, il est pris pour un charlatan et comme un invité indésirable conduit à l'aéropage. Ce n'est donc pas un moment de triomphe. Il accomplit sa mission dans des conditions difficiles. Dans notre parcours, nous ressentons peut-être nous aussi souvent la fatigue et parfois la frustration d'être une petite communauté ou une église avec peu de ressources, avançant dans un contexte qui n'est pas toujours favorable. Méditez sur l'histoire de Paul à Athènes. Il était seul, en minorité et avec peu de chances de succès. Mais il ne s'est pas laissé vaincre par le découragement. Il n'a pas renoncé à sa mission. Et il ne s'est pas laissé aller à la tentation de se plaindre. C'est très important. Telle est l'attitude du véritable apôtre, aller de l'avant avec confiance, en préférant l'appréhension des situations inattendues à l'habitude et à la répétition. Paul a ce courage. D'où lui vient-il? De la confiance en Dieu. Il a le courage de la confiance, une confiance dans la grandeur de Dieu qui aime travailler dans notre petitesse. Chers frères et sœurs, ayons confiance, car être une église petite fait de nous un signe éloquent de l'évangile du Dieu annoncé par Jésus, qui choisit les petits et les pauvres et qui change l'histoire avec les gestes simples des humbles. À nous, en tant qu'Église, il n'est pas demandé d'avoir un esprit de conquête ou de victoire, la gloire des grands nombres ou la splendeur mondaine. Tout cela est dangereux. C'est la tentation du triomphalisme. Il nous est demandé de nous inspirer de la graine de moutarde qui est toute petite, mais pousse humblement et lentement. C'est la plus petite de toutes les semences, dit Jésus, mais quand elle a poussé, elle devient un arbre. Il nous est demandé d'être le levain qui fermente, caché patiemment et silencieusement dans la pâte du monde grâce à l'œuvre incessante de l'Esprit. Le secret du royaume de Dieu est contenu dans les petites choses, dans ce qui souvent ne se voit pas et ne fait pas de bruit. L'apôtre Paul, dont le nom même évoque la petitesse, vit dans la confiance parce qu'il a pris à cœur ces paroles de l'Évangile au point d'en faire un enseignement pour ses frères de Corinthe. Ce qui est faiblesse, dit Paul, de Dieu, est plus fort que les hommes. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Alors, chers amis, je voudrais vous dire, bénissez la petitesse et accueillez-la.
Elle vous dispose à faire confiance en Dieu et à Dieu seul. Être minoritaire et dans le monde entier, l'Église est minoritaire ne veut pas dire être insignifiant. Mais parcourir la voie ouverte par le Seigneur, qui est celle de la petitesse, de la kénose, de l'abaissement, de la condescendance. Il s'est abaissé jusqu'à se cacher dans les replis de l'humanité et dans les blessures de notre chair. Il nous a sauvés en se mettant à notre service. De fait, Paul nous dit qu'il s'est anéanti prenant la condition de serviteur. Nous avons si souvent l'obsession des apparences, de la visibilité, alors que l'avenue du règne de Dieu n'est pas observable. Comme la pioggia lentamente sulla terra. Aidons-nous mutuellement à renouveler cette confiance dans l'œuvre de Dieu, à ne pas perdre l'enthousiasme du service. Courage, en avant, sur la voie de l'humilité, de la petitesse. Je voudrais maintenant souligner une deuxième attitude de Paul à l'Aréopage d'Athènes, l'accueil. C'est la disposition intérieure nécessaire à l'évangélisation. Ne pas vouloir occuper l'espace et la vie de l'autre, mais semer la bonne nouvelle dans le terreau de son existence en apprenant d'abord à accueillir et à reconnaître les semences que Dieu a déjà mises dans son cœur avant notre arrivée. Souvenons-nous, Dieu précède toujours nos semailles. Évangéliser, ce n'est pas remplir un vase vide. C'est avant tout mettre en lumière ce que Dieu a déjà commencé à accomplir. Et c'est cela l'extraordinaire pédagogie dont l'apôtre fait preuve devant les Athéniens. Ne leur dis pas, vous vous trompez complètement, ni maintenant je vais vous enseigner la vérité, mais ils commencent par accueillir leur esprit religieux. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription au Dieu inconnu. L'apôtre reconnaît la dignité de ses interlocuteurs et accueille leur sensibilité religieuse. Même si les rues d'Athènes étaient pleines d'idoles, ce qui l'avait exaspéré, Paul accueille le désir de Dieu caché dans le cœur de ces personnes et il veut avec bonté leur offrir l'émerveillement de la foi. Son style n'impose pas, mais propose. Il n'est pas fondé sur le prosélytisme, mais sur la douceur de Jésus. Et cela est possible parce que Paul a un regard spirituel sur la réalité. Il croit que l'Esprit Saint agit dans le cœur de l'homme au-delà des étiquettes religieuses. Nous l'avons entendu dans le témoignage de Recos. À un certain moment, les enfants s'éloignent un peu de la pratique religieuse, mais l'Esprit Saint avait travaillé et continue de travailler. Et c'est pourquoi ils croient beaucoup à l'unité, à la fraternité avec le prochain. Souvenons-nous, l'attitude de l'apôtre de tout le temps commence donc par l'accueil de l'autre. N'oublions pas que la grâce suppose la culture et le don de Dieu s'incarne dans la culture de la personne qui la reçoit. La grâce incarnée dans ma culture s'incarne là.
À propos de la visite de Paul à l'aéropage, Benoît XVI a dit que les personnes agnostiques ou athées doivent beaucoup nous tenir à cœur, mais que nous devons faire attention car lorsque nous parlons d'une nouvelle évangélisation, ces personnes sont peut-être effrayées. Elles ne veulent pas se voir comme faisant l'objet d'une mission, ni renoncer à leur liberté de pensée et de volonté. Aujourd'hui, il nous est demandé à nous aussi d'adopter une attitude d'accueil, un style d'hospitalité, un cœur animé par le désir de créer une communion entre les différences humaines, culturelles et religieuses. Le défi consiste à développer une passion pour l'ensemble nous conduisant, catholiques, orthodoxes, frères et sœurs d'autres croyances, à nous écouter mutuellement, à rêver et à travailler ensemble et à cultiver la mystique de la fraternité. L'histoire passée reste une blessure ouverte sur le chemin de ce dialogue accueillant, mais relevons avec courage le défi d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, ici en terre grecque, Saint Paul a montré sa confiance sereine en Dieu et c'est ce qui l'a rendu accueillant envers les aéropagites qui se méfiaient de lui. Grâce à ces deux attitudes, il a annoncé ce Dieu qui était inconnu à ses interlocuteurs et il est parvenu à présenter le visage d'un Dieu qui, en Jésus-Christ, a semé au cœur du monde le germe de la résurrection, le droit universel à l'espérance. Lorsque Paul annonce cette bonne nouvelle, la majorité se moque de lui et s'en va. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Dénis, membre de l'aéropage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. La majorité s'en va. Un petit nombre rejoint Paul, dont Dénis, à qui cette cathédrale est dédiée. C'est un petit reste, mais c'est ainsi que Dieu tisse les fils de l'histoire, depuis cette époque jusqu'à vous aujourd'hui. Je vous souhaite de tout cœur de poursuivre l'œuvre de cet historique laboratoire de la foi et de le faire avec ces deux ingrédients, la confiance et l'accueil, pour goûter l'Évangile comme une expérience de joie et de... Je vous porte dans mon cœur et dans la prière. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. O Theos Nassas Evoli, Dieu vous bénisse. À présent, suivra l'introduction à la prière de notre Père par une catéchiste, Madame Maria Sabassian. Saint-Père, bientôt toute la communauté catholique présente ici et aussi tous ceux qui nous regardent de loin et qui sont unis à nous dans l'esprit prieront avec la prière que nous a enseignée le Seigneur Jésus, le notre Père. Je suis catéchiste bénévole depuis de nombreuses années. Comme beaucoup d'autres catéchistes, femmes et hommes, et aussi en leur nom, je suis maintenant ici devant vous, votre sainteté.
Nous remercions le Seigneur pour ce don qu'il nous a fait d'être catéchistes, pour cet appel que nous avons reçu par rapport auquel tout sacrifice de temps et tout effort personnel semble petit. Le Notre Père et la prière qui nourrit spirituellement nos catéchumènes dans l'oratoire chaque semaine, c'est l'héritage de prière le plus important que nous, les adultes, enseignons et transmettons à nos enfants. Cette prière exprime le désir de notre cœur que le royaume des cieux se révèle sur terre. Nous te demandons maintenant, Saint-Père, de guider nos cœurs et nos lèvres afin que nous puissions tous le dire ensemble. Ainsi, nous nous sentirons comme lorsque les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Obéissant à la parole du Sauveur et formés par son enseignement divin, nous osons dire « Pater imon oentis uranis, notre Père, qui sera récité bientôt, qui est en train d'être récité en grec. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, ainsi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous À présent, le Saint-Père passe à la bénédiction finale de cette rencontre, en latin. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La communauté catholique de Grèce présente en la cathédrale Saint-Denis à Areopagite remet un don au Saint-Père. Le Saint-Père termine cette rencontre saluant individuellement les évêques. À qui il remet un cadeau, le chapelet. Il s'agit de l'archevêque d'Athènes et administrateur apostolique de l'archidiocèse de Rhodes, l'archevêque de Corfou, Zakynthos et Kefalonia, et administrateur apostolique ad nutum Sancte Sedis du vicariat apostolique de Thessalonique, l'archevêque de Naxos, Androtino et Mykonos, et administrateur apostolique du diocèse de Chios, l'évêque des diocèses de Syra, Milo et Santorine et administrateur apostolique ad nutum Sancte Sedis du diocèse de Crète.
À présent, la rencontre est accompagnée par un chant religieux, mais le pape continue les salutations de l'épiscopat de Grèce, l'épiscopat catholique de Grèce. Il y a aussi l'exarque apostolique pour les fidèles de rite byzantin avec siège à Athènes et l'administrateur apostolique de l'ordinariat des Arméniens catholiques basé à Athènes, le président actuel de la conférence épiscopale de Grèce est Monseigneur Stevastianos Rosolatos, archevêque émérite d'Athènes, tandis que le secrétaire général est Monseigneur Nikolaos Printezis, archevêque de Naxos, Androtino et Mykonos. La cathédrale Saint-Denis, l'aéropagiste, est un édifice qui se trouve à proximité de la trilogie athénienne, c'est-à-dire trois bâtiments officiels de style grec néoclassique qui s'alignent l'un près de l'autre le long de la rue, à savoir l'Université d'Athènes, l'Académie d'Athènes et la Bibliothèque nationale de Grèce. Et le pape met ainsi un terme à cette rencontre avec la communauté catholique de Grèce, avec les évêques, prêtres, religieux et religieuses, séminaristes et catéchistes à la cathédrale Saint-Denis Aéropagite à Athènes. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt dans nos prochains programmes. Laudetur Jesus Christus. Loué soit Jésus-Christ.